Salut à tous, c'est Nifex8, on se retrouve sur City Skylines avec nos problèmes de poubelle, ma foi, qui ne se résolvent pas. On va play. J'ai avancé un petit peu, mais pas moyen de faire avancer ça. On aurait bien notre usine de traitement, je pense qu'il n'y a pas assez de camions pour réussir à tout traiter. Ce qui pose, ma foi, problème. L'usine, c'est celle-ci, sauf erreur. Incinération fonctionne normalement. Ça pose problème. Réserve de déchets, ouais, elle est pleine. Est-ce qu'on en mettrait une autre? Normalement, il n'y aurait pas besoin. Ah, je manque d'argent. Ah, c'est cher, 30 000 quand même. On va accélérer au maximum. Je pense que je vais en placer une autre, mais de l'autre côté. Ça me paraît préférable. À côté d'ici, on a une décharge ici. Du coup, ça fait obliger les camions à faire tout le tour. Et vu que de toute façon, on va se développer dans cette zone, ça sera de toute façon utile. Ou bien peut-être ça fait... Ouais, non, mais c'est que ça pollue beaucoup, c'est ça le problème. Est-ce qu'on les placerait les deux à côté? Ça va créer beaucoup de trafic, c'est juste ça qui me fait peur. Non, je pense qu'il faut quand même mieux les placer ici. Juste à côté. Déjà qu'on a placé l'usine des déchets. Autant faire les choses bien, ma foi. On gagne pas mal d'argent, ça va. On se débrouille pas trop mal. Au niveau des ressources, enfin des trucs vitaux, c'est la merde. État d'incinération, effectivement, on est très bas. Crématorium. Quoi? Crématorium, il y a un problème? Ah, j'en ai pas, c'est pour ça, forcément. Et c'est. Hôpital. Crématorium, il est pas disponible encore. Donc c'est un petit peu normal. Université, elle est censée être disponible, il me semble. Quand ça se fait que ça soit barré? Est-ce que c'est. Ah, manque d'argent, ok. Je n'ai pas encore assez d'argent. Il faudrait voir si on peut le mettre 75 000. Pouh, c'est cher. Je pense que l'objectif du jour, c'est plutôt de mettre surtout du métro. Ça pourrait être quand même vachement pratique. Station de métro. Ah, il n'y a pas un dépôt de métro à créer. C'est juste les stations. Ok. Construire station de métro. Tunnel de métro. D'accord, bon, on essaiera ça tout à l'heure. Est-ce qu'on a débloqué autre chose? Je ne crois pas. Enfin, au niveau des déchets, on en est ouf. Est-ce qu'il y a vraiment moyen? Ah, c'est chaud. Production de déchets. J'ai limite envie d'en mettre une autre. Normalement, on est assez avec une, mais bon. Ça soulagera peut-être l'autre, alors on va la placer ici. Ça pourra toujours être utile. Allez, là. De toute façon, ça va être de la zone industrielle, tout ici. Ce que j'aimerais bien faire, c'est qu'on a de la... Ouf! Waouh, la demande de fou! On a une énorme demande résidentielle. Donc, on va développer toute cette zone-là résidentielle. Parce que là, il y aura de l'industriel. Ici, il y a beaucoup d'industriel aussi. Et au centre, peut-être qu'on placera un peu de bureaux, on verra comment on fait. Avant qu'on la place dans une autre zone. Dans tous les cas, allez, j'aimerais bien mettre vraiment une belle grosse zone industrielle. Enfin, industrielle, tout à fait. Résidentielle. Ouh, en plus, la forte densité qui est disponible. On va récupérer un petit peu d'argent. On attend un petit peu. Et l'autoroute, d'ailleurs, on pourra en profiter limite pour fermer l'autoroute avant. Est-ce qu'on fait ça, les amis? Ouais, je pense qu'on peut se permettre de terminer l'autoroute une bonne fois pour toutes. Ça sera plutôt utile. Là, elle est en hauteur, il n'y a pas de souci. Alors, comment on va faire ça? Ah, on a accès à une autre zone, c'est vrai. On a accès à une autre zone. Est-ce qu'on l'achète pour pouvoir accéder à l'autoroute? Ça pourrait être intéressant dans l'absolu. Comme ça, on aurait accès à l'autoroute du bas. Ce qui serait plutôt cool, comme ça, on pourrait vraiment prolonger notre autoroute jusqu'en bas. J'hésite. Mais je pense qu'on va faire ça. Après, par la suite, on pourra se développer là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Ah ouais, allez. On l'achète. On est des fous, on est comme ça. Comme ça, on est plutôt bien. On va s'en venir là. Aïe. Je vais y arriver. Comme ça, on va pouvoir tirer l'autoroute jusqu'en bas. On va mettre en pause. Ouf, on gagne de l'argent quand même, je suis content. Là, il tire la gueule, je pense que c'est parce qu'il manque d'employés. Ouais, il y a un énorme besoin d'employés. On va mettre en pause. Avant de faire l'autoroute, il faut d'abord faire ça. C'est quand même plus important, vu le problème qu'il y a. Alors, on va tout défoncer. C'est bon? Ah non, faut laisser en rouge, je pense. Et là, je pense qu'il démolit automatiquement. Je ne sais pas. Bon, on verra si ça fonctionne. Et effectivement. Alors, comment on va faire ça? On va contrôler d'abord au niveau des ressources, c'est le plus important. Là, on pourra se développer un petit peu aussi le forestier si jamais il y a besoin. Et là, c'est vraiment tout ce qui est minerai. Donc je pense qu'on va vraiment faire notre zone résidentielle ici. Il y a vraiment de quoi faire, une belle grande zone. Largement suffisant. Déjà ici, pour le commencer. Donc on est bon. On enlève ça. Alors au niveau de l'autoroute, on verra comment on fait. Je vais d'abord tirer les routes principales. Histoire de pouvoir faire les choses une après l'autre. Là, c'est une 6 voies dans les deux sens. Donc on va respecter ça. Mais on est des fous, on va prendre celle-ci. 100 par cellule, c'est super cher. Mais c'est pas grave, il nous la faut. On va essayer de faire une route plus ou moins droite. Ça, c'est pas garanti. Comment on va tirer ça? Que ce soit parallèle à l'autoroute, peut-être. Ou alors parallèle au train. Ah, plutôt parallèle au train, je pense, ça paraît plus logique. On la fait descendre jusque-là. Ouais, là, ça me paraît plutôt pas mal. Alors là, par contre, il faudra la faire repartir. Ça va être un petit peu chaud. Est-ce qu'on met toujours cette grosse route? Ah, j'ai peur de pas pouvoir. On le mettra après, ça. Écoutez, une chose après l'autre.
Là, toujours par rapport au train. On va pas aller trop loin. Là, il y a la zone industrielle. Ici. Et là, pareil, on est plutôt bien. Tac. Et on relie ça. Comme ça, on a une zone de base. Alors, par rapport à l'autoroute, ça va être une grande question, savoir comment on va faire. Est-ce qu'on tirera... Pouf. Peut-être qu'il faut pas mettre une grosse voie ici, je pense. Ce qu'on va faire, ouais. Ici, on va mettre une simple route. Ah, quoique, non, j'ai fait une connerie. Ah, le boulet. J'aurais pu faire la sortie d'autoroute, en fait, ici, tout simplement. Du coup, est-ce qu'on repose ? Oui, on repose, on a de l'argent. Donc, ce que je vais faire, je vais casser ça. Et on va essayer de prolonger l'autoroute, au moins, jusqu'à après les rails. Histoire de pouvoir avancer. Voilà. Tac. Jusqu'ici. Non, ça coûte trop cher pour... Est-ce que je peux l'amener jusque-là ? 24 000, non, ça coûte beaucoup trop cher. On le fera après. Une chose après l'autre. Tac. Et là. Voilà, comme ça, je pourrais faire ma sortie d'autoroute, ce que je voulais. Alors, comment on va l'organiser ? Est-ce qu'on prendra un truc comme ça ? Non, parce qu'on n'a pas besoin. Non, c'est juste une simple sortie. À moins qu'on veuille la relier ici. C'est vrai qu'on voulait la relier à là par la suite. Mais dans ce cas, il aurait plutôt fallu placer ici. Comme ça, un truc un peu central. Parce qu'on est au centre. On est pas mal au centre si on la place ici. Et placer une autoroute là. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on le fait tout de suite ? Il faudrait tout casser. Ce qui ne m'arrange pas, mais vu qu'on va créer le quartier après, effectivement, il vaut mieux le faire maintenant. Après, ça va être un peu le bordel. Donc on va couper ça. Et on va tout casser comme des gros porcs. Du coup, j'ai ça qui va m'embêter aussi. Allez, on va le casser. Ce n'est pas grave. Allez, pète-moi tout ça. J'espère que ça va passer. C'est vrai qu'il y a... Ouais, c'est le bordel. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Je sais pas si ça va être faisable. Waouh, c'est tellement gros ce machin. C'est tellement abusé. Le problème, c'est que ça, c'est en hauteur. Ça va être un souci. Ça va être un souci. Est-ce que je pourrais plutôt le placer là ? Ouais, je pense qu'on va le placer ici, en fait. On va descendre tout ça. Là, c'est plat, donc on pourra le placer normalement. Du moins, je l'espère. Et on va. Ouais, là, ça passe. Mais il veut plus ? Ah, voilà. Ouais, ça me le fait le mettre. Ah, c'est pas très pratique où il veut. Ah, c'est à cause de la zone, effectivement. Je suis hors zone. Mais comme ça, c'est plutôt cool. On a une chose après l'autre. Donc après, on va détruire ça. Tac, tac. Comme ça, on le reliera. Là, pareil, on va le détruire. Et le but du jeu, c'est de relier tout ça sans que ça soit trop le bordel. Avec un page. Est-ce qu'on le fait monter, là, du coup ? Ça n'a pas un grand intérêt de le faire monter. Parce qu'il n'y a rien, de toute façon, rien qui va passer ici. Donc ouais, on va plutôt le faire comme ça. On détruit ça. Et on le relie. Pour le moment, mais comme ça, on verra par la suite ce qu'on fera. Limite, ouais, un pont. Ah ouais, limite, ça peut être sympa. Bon, par contre, là, ça va poser problème, effectivement. Ah, il est trop long, mon pont. Comment claquer plein de trucs pour rien? Et là, comment je fais pour le relier en dessous? Ouah, le bordel. Ah, pas assez d'argent. Oh non, t'es sérieux, je peux pas le relier. Oh, la merde. Du coup, mon autoroute est bloquée. Bon, c'est pas grave. On va récupérer un petit peu d'argent vite fait. Ah, c'est chaud quand même. C'est pas facile à gérer. Là, on est bon. C'est absolument dégueulasse, mais c'est pas grave. On va dire que c'est valide. C'est un bordel. Enfin, là, si on verra bien ce qu'on fait. Par contre, du coup, là, j'ai plus d'électricité de nouveau. On va le relier. Est-ce que ça passe direct? Allez, dis-moi que ça passe. Yes, ça passe. Pas besoin de faire un truc de fou. Comme ça, on est bon. Bah, j'ai foutu un peu le bordel, là, quand même. Est-ce qu'il y aurait moyen de le faire plus rapide? Merci. Ouf, c'est bon, les amis. On est OK. On a notre autoroute absolument dégueulasse, mais qui est valide. Qui veut pas dire grand-chose. Là, il faut passer au-dessus. Il faudra forcément remonter. Est-ce qu'il est bon comme ça? Est-ce qu'il va monter? Ah, voilà. Pour passer au-dessus... Non, je suis... Oh là là, je suis en sens interdit. Quel con. Quel boulet. Allez, casse-moi ça. On le refait, mais dans le sens correct, cette fois. Avec le truc qui tourne, le truc méga à l'arrache sur l'autoroute à 120. Le contour de l'abus. Bon, du coup, on va dire que c'est valide. Il faut juste reconstruire la sortie, la bretelle là. Bretelle qui va dans ce sens depuis ouf. Depuis là, théoriquement. Est-ce qu'on va pouvoir construire cette bretelle, par contre? Ça risque de poser problème. Effectivement, ça pose problème. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Du coup, ce pont, en fait, c'était une très mauvaise idée. J'ai fait de la merde. Donc, on va remettre en pause. Et on va péter ce pont qui pose vraiment trop de problèmes. Ouais, là j'ai pas trop assuré. C'était plutôt pratique d'avoir un pont là. Mais ça me pose plus de problèmes qu'autre chose au final. Ah, il est en grève, qu'est-ce qui lui arrive? Ah voilà. Là on peut mettre le pont.
Et après, comme ça, on peut redescendre là bien correctement. Voilà, ça, c'est bon. Une meilleure gestion des hauteurs, c'est ma foi plutôt préférable. Et là, on va pouvoir se créer la sortie. On va le mettre où? On va la mettre juste là. Est-ce que c'est bonne sortie? Pourquoi c'est pas la même terre? Bonne question. Ah, je pense pas. Ah, non, c'est bon, y a pas de souci. C'est pas de la terre tout simplement parce que ça, ça part sur un pont. C'est pour ça. Comme c'est un pont, il y a les bordures, donc il y a aucun souci, c'est normal. Donc là, on a bien nos sorties. On est plutôt bien, écoutez. Je suis content. On a fait un peu de l'arrache, mais ça tient. Ça tient à peu près. Et du coup, là, on a l'autoroute qui partira par là. Et là, on va la casser pour mettre l'autoroute silencieux. On va remettre en play, même si on manque de personne. Peut-être faire gaffe quand même à ça. Juste finir de l'autoroute. Mais pour ça, il me faut de l'argent, donc on continue. Alors, elle part ici. Et je pense qu'on va la faire remonter. On va remonter un petit peu. Comme ça. Peut-être pas autant. Peut-être pas avisé. Ouais, l'idée, là, c'est vraiment de partir tout là-bas. Ok, je l'ai fait partir totalement tordu. Je peux me la faire droite, ça sera encore mieux. Comment claquer son argent pour rien. Et tu peux me la faire droite. Je sais que tu peux. Là, par rapport au train, à mon avis, on est relativement droit. On va dire que c'est comme ça. Sauf que je... Ah là là, mais ce qu'elle voulait. Je vais pas monter. Et je claque un de ces frics pour rien. Et je perds du temps. Vas-y, monte. Je pense qu'on va la monter là, sans exagérer. Parce qu'après, pour les sorties, ça va être un peu compliqué autrement. Oula, il y a carrément... Je suis peut-être un peu haut là. Pas sûr que ce soit normal qu'il y ait des ponts. T'es sérieux, tu me fais carrément des ponts, toi? C'est peut-être un petit peu exagéré un pont là. C'est que je suis trop, je pense. Il faut la redescendre. Ah là là. Pourquoi il me fait un pont? T'es sérieux? C'est un peu abusé un pont là. Bon, bah si tu veux un pont absolument, on va traverser cette zone en pont et après tu vas redescendre. Parce qu'il faut pas abuser non plus. Voilà, comme ça. Et là on reste à cette hauteur. Peut-être un petit peu plus. Peut-être un tout petit peu plus, histoire de pas exagérer. Là, tac. Voilà, là on continue. On continue juste jusque là. Et on pourra pas aller plus loin parce qu'on n'a pas la zone. C'est juste, j'y ai pas pensé. Bon, moi après on partira sur notre autoroute ici. Comme ça on sera bon. Alors si tu peux me faire demi-tour. On claque tellement de fric. Waouh, moins 4000. Waouh, moins 7000, c'est quoi ce délire? Stop, 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 on se calme. Le gars qui s'excite sur l'autoroute et il fait pas gaffe. Je pensais que ça me coûte trop cher. Ah, bon papy, on pète tout. J'ai perdu plein de fric, on fera avec. Parce que là, je fais de la merde. Et l'autoroute, on l'arrête ici. Et après, on la fera faire demi-tour. Pourquoi je perds autant? Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, tout ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je pense qu'ils tirent la gueule parce qu'il y a manque d'employés. Waouh, et des poubelles. Qu'est-ce qu'ils ont, les poubelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus de poubelles? Là, ah non, c'est ça. C'est parce que j'ai pas remis l'électricité. Quel con. Quel idiot. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'il y a moyen de passer? Ouais. Est-ce qu'on pourrait passer ici? Tout en montant? Non. Ah, super. Ça ne passe pas. Comment on va faire? Je peux passer éventuellement par ici? Ouais. Tac. Et là. Waouh, le bordel. Forcément, ils sont pas contents parce que j'ai la population qui a dû descendre à fond. Oui, j'étais à 7000. J'avais dépassé 7000 tout à l'heure. Waouh. Le fail. Forcément, il y avait plus d'évacuation des égouts. Ils étaient pas contents, les pauvres. C'est pour ça qu'on m'a conseillé d'ailleurs de laisser les tweets. Je vais les remettre. Voilà, le gazouillis, les tweets, je les remets. Histoire d'être averti en cas de problème comme ça. Oh, le boulet. Dieu la connerie que je viens de faire. Le gars était tellement concentré sur son autoroute qu'il a fait de la merde. Bon, ça va, ça remonte. On est sauvé, ça remonte rapidement, les gens sont contents de nouveau. Ah ouais, ça s'est un petit peu vidé. Bon, ça va. On a quand même perdu 2000 personnes. Ah, mais ça revient vite. 7000, c'est bon, c'est remonté tout seul. Ouf, j'ai bien flippé là, pour le coup, j'ai eu peur. Du coup, on va vite terminer ça, on va juste faire demi-tour. L'espace déjà occupé, pourquoi donc? Est-ce que vous voulez faire demi-tour pour terminer l'autoroute, ça m'arrangerait? Histoire qu'on termine une bonne fois pour tout ça, comme ça on sera bon pour un moment. Il n'y aura plus besoin de faire autoroute. Par contre, on va faire demi-tour. On va faire demi-tour, est-ce que tu peux? Yes, voilà, t'assures. Après, tu me remets une droite ici. Dis-moi si on y arrive. Ouais. Est-ce qu'on la passe ici? Alors pourquoi là, il met pas de... il me fait pas un pont, il me met le truc normal. Allez donc, ça va. Pourquoi? Peu importe. Est-ce qu'on peut la relier sans problème? Voilà. Comme ça, on est bon. On a notre autoroute qui est plutôt pas mal. On a un beau réseau autoroutier.
Faut après relier tout ça, mettre des sorties, finir ici, mais bon, une chose après l'autre, là on s'en fout. Ce qui compte pour le moment, c'est de faire les zones résidentielles à forte densité ici, avec une autoroute qui va faire beaucoup de bruit, mais c'est pas grave, on fera avec. Alors comment on va tirer nos routes? Bonne question, on a donc la route principale ici. Ah, c'est un sens unique ça? Pourquoi j'ai foutu un sens unique? On va plutôt mettre un double sens. Attends, faut que je sélectionne tout. À mon avis, c'est plus logique de mettre un double sens là. Autrement, ça va être un petit peu le bordel. Surtout que c'est de la résidentielle, c'est pas non plus... Il ne va pas y avoir trop de circulation non plus. Comme ça, je pense que ça va le faire, voilà. Là, c'est de la double sens, parfait. Donc la route principale, est-ce qu'on la relierait? Peut-être par la suite la relier à ça, mais bon, une chose après l'autre. Est-ce qu'on tire une autre grosse route? Peut-être la tirer là et long. Ouais, on pourrait limite faire ça, écoutez. Par contre, on va prendre celle-ci, on se plante pas. Voilà, on la tire jusque là. Par contre, là, il va y avoir un problème, effectivement, pour la passer. Non, ça sert à rien, parce qu'on pourra pas la passer ici. Il faudra la passer par-dessus, puis ça va être un petit peu bordélique. Donc non, on reste comme ça, les amis. Il n'y a pas de souci. Et on va construire simplement des jolies petites routes plus petites. Celle-ci a l'air plutôt pas mal. Pour faire nos zones résidentielles. Juste à côté de l'autoroute, c'est absolument génial. On va être super heureux. C'est les pauvres. Ça va être dégueulasse. Comme ça, on est plutôt bien. Il y a des carrefours, mais on s'en fout. Il va pas avoir trop de circulation ici, j'espère. Tac. Ouais, les pauvres là, juste à côté de l'autoroute. C'est un petit peu violent quand même. Mais bon, pas tout à voir, écoutez. Et là, est-ce qu'on pourrait la tirer comme ça? Ça pourrait être pas mal si je peux bien la tirer. Sans perdre trop d'espace. Ah ouais, là, on est bien. On est plus que bien même. Un petit peu plus par là. Et comme ça, on sera parfait. C'est un petit peu tordu, mais c'est pas grave. Là, j'ai l'autoroute qui me dérange un petit peu. Est-ce que ça va passer? Je pense que ça passe. Yes. Et le dernier tronçon, mais c'est parfait, regardez ça, l'optimisation du terrain. On a réussi à rendre ça absolument idéal. Par contre, il y a beaucoup de carrefours, j'aime pas trop ça. Mais bon, on va faire avec, peut-être juste en mettre un ici. Tac, tac, pour relier tout ça. Et là, on est plutôt bien. Par contre, j'ai pris quoi? Ah, c'est de la 4 voies. J'ai pas fait gaffe, effectivement. Ah bah, c'est très bien, en fait. Comme ça, dans les deux sens, avec les arbres, c'est plutôt cool. Moi, ça me plaît, je trouve ça joli. Peut-être mettre quand même une... Non, garder la 4 voies, ça va très bien. Par contre, est-ce qu'on prend du sens unique? Non, ça, c'était parfait. On va quand même mettre un au centre, histoire qu'il puisse couper. Et pas qu'il doive faire le tour complet pour pouvoir faire demi-tour. Là, est-ce qu'on en met une? Allez, on est des fous, on est sympa. Comme ça, on est bon, les amis. Ça me paraît même plus que bien. Donc là, sens unique. Donc sortie d'autoroute, peut-être faire une bretelle. Ça serait peut-être utile, effectivement, pour qu'il puisse sortir là. Comment on va les faire sortir? C'est une bonne question. Bah là, on peut le faire sortir bêtement comme ça. Est-ce qu'on prendrait de l'autoroute comme sortie ou est-ce qu'on met une simple sortie? Limite, ça peut le faire. Ou c'est peut-être un petit peu exagéré? Non. C'est que je sais pas si ça sert à quelque chose, une bretelle, comparé à ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce qu'on pourrait mettre genre ça? Ah, ça pourrait presque le faire. Ça pourrait être sympa. Par contre, est-ce que ça va passer? Non, là, ça passe pas. Attends, vas-y, depuis ici... C'est un petit peu de l'arrache, mais je pense que ça va le faire. Avec le passage piéton sur le bord de l'autoroute. Le truc débile. On va tester, on verra par la suite. S'il faut plutôt une bretelle ou quoi. Là, on va garder ça pour le moment. Ça me fait une grosse sortie. Qui est plutôt pas mal. Et j'aurais bien voulu mettre aussi une sortie ici. Par contre, on va mettre une bretelle, peut-être. Un truc un peu plus simple. Histoire de pas exagérer. Tac, la bretelle. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir placer la bretelle avec le pont? Ça pose pas de problème. Ah non, ça a l'air d'être bon. Non, on l'a mis en dessous. Raté. Ouais, je la veux depuis en haut si possible. C'est quand même préférable. Est-ce qu'elle est en haut? Comment je fais pour la placer en haut? Ah. Depuis ici. Ouais, du coup, vu que c'est un pont, ça pose problème. C'est ce que je pensais. Non, là, c'est un peu de l'arrache. Alors du coup, il faudrait le faire comme ça. Et puis on le fait descendre. Pour arriver là. Est-ce qu'il y arrive? C'est de l'arrache, mais ça passe. Écoutez, moi je dis c'est valide. C'est plutôt valide. Mais c'est clair que c'est de l'arrache. Mais on s'en fout. C'est bon. L'autre sens, c'est pas utile du coup. Pour le moment, il n'y a pas d'intérêt. Et là, ça me paraît bon. Donc là, l'autoroute relie ici. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il faudrait relier? Ce poteau ne sert à rien. On le détruit. À mon avis, c'est pas mal. Là, l'autoroute rentre. Par contre, effectivement, il faudrait faire des sorties d'autoroute ici.
Est-ce qu'on va y arriver? On va tenter. Donc l'idée c'est de passer de là à là. C'est de l'arrache, mais ça passe. Ouais, c'est un peu violent quand même le truc. C'est même abusé. C'est à cause du dénivelé tout ça. Mais bon, on va dire que c'est bon pour le moment, on verra par la suite. Ici pareil, est-ce que je pourrais faire une petite sortie? Pas moyen de faire une sortie là. Alors une sortie avant? Écoute, si t'es comme ça, si difficile, on va chercher une autre solution. On casse un peu toute notre zone ici. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est valide. Moi je dis, ça marche. Comme ça, on est bon, une sortie supplémentaire. Faut pas oublier que de toute façon, il y aura l'autoroute dans l'autre sens qui va poser problème. On verra ça par la suite. Pas faire trop de sorties non plus du coup. Et là, on n'a pas mis de sortie. Effectivement, là, ce serait quand même pratique. On va mettre une jolie petite sortie juste là, qui va amener là. Tac, parfait. Comme ça, les amis, on est plus que bien, à mon avis. On est très très bien même. Ici, la sortie totalement à l'arrache. C'est pas grave. Donc la zone résidentielle ici qu'on voulait construire, la zone intense. Ah tiens, on va en mettre ici aussi. Est-ce qu'il y a des minerais ou quelque chose? Non, on a absolument que dalle. Donc ouais, on va faire une zone. À moins qu'on fasse du commercial. Là. Non, plutôt faire du commercial ici. On va quand même zoner. On va mettre notre petite route fort sympathique que j'aime. C'est quoi ça? C'est l'autoroute. Est-ce qu'on zone? On continue dans cette lignée. On pourrait limite continuer comme ça. Bon, je vais tirer. Ça, c'est l'autoroute, on a dit. Est-ce que je la relis quand même? Je ne sais pas. On va ouais, limite, c'est vrai qu'on pourrait presque... Attends, je vais plutôt partir comme ça pour respecter la ligne. Tac. C'est l'autoroute, ouais. Truc à l'arrache. Là, on va mettre une sortie plutôt. Un truc un peu moins barbare. Une sortie toute simple. Tac. Est-ce que tu y arrives? En tournant un petit peu. Ah ouais, zut, il y a ça qui dérange. Non, ça passe. C'est de l'arrache, mais ça passe. C'est ce qui compte. Comme ça, on est bon. Est-ce qu'on en rajoute un petit peu? Là, on a une principale. Ouais, faut quand même mettre une le long de l'autoroute. Qui passerait ici. Et qu'on peut effectivement faire tourner. C'est vrai qu'on fait pas trop tourner. Mais ça vaudrait la peine. Comme ça, on est bien là. Tac, celle-ci, elle va aller tout droit. Elle va se prendre la tête, tout simplement comme ça. Voilà, donc ça va être une bonne zone. Après, on prend la petite zone plus simple qu'on va fermer. Comment je vais faire là, par contre? Pour essayer de tout zoner. Ah bah non, comme ça, c'est parfait. Tac, c'est parfait. Et là, on part ici. Ah bah, j'ai coupé l'électricité. On va mettre en pause, histoire de pas faire de la merde. Ça serait dommage. Je mets absolument aucun rond. C'est vrai que c'est dommage, j'aime bien les ronds. Pour le moment, on a fait une ville plutôt tout droite. C'est vrai que j'aurais pu faire des ronds par ici. Je pense qu'ici, on fera vraiment toute une zone arrondie. Ce sera plus sympa. Un truc un peu plus recherché que ça. Alors, niveau électrique, qu'est-ce qu'on a foutu? On a encore tout cassé? Effectivement, on a encore tout cassé. Décidément, cet espace, c'est pas facile. On fout la merde partout. Est-ce qu'on arrive à le passer? Non, tu veux pas? Allez, tu peux le faire. Et là, tu le relis. Yes! Cette fois, il est relié. Est-ce qu'on a nouveau foutu la merde? Ouais, on a mis la merde partout. Décidément, ça veut pas. Alors, est-ce qu'on produit assez? Faire gaffe à ça. On est un petit peu juste au niveau électricité. Ah, puis c'est vrai que j'avais augmenté les budgets de quelque chose. C'était quoi déjà? Ouah, 300 000 dollars. Bah dis donc, ça a monté. Je fais pas trop gaffe à ça. Effectivement, électricité, on va construire quelque chose. Par contre, il faudrait se décider quoi. Bon, ce qu'on fera, ça sera le prochain épisode. Une chose après l'autre. Écoutez, autrement, on va pas s'en sortir. Ça va être déjà un très très long épisode là. On va plutôt zoner ça. Et on va se laisser. Du coup, comment est-ce qu'on zone ça? D'abord, je vais faire le gros barbare comme ça. Et puis après, on arrangera. C'est vrai qu'on n'a pas de zone de bureau. Je crois qu'on l'a débloqué. Ouais, tout à fait, on l'a débloqué, zone de bureau. On pourrait limite en faire... j'hésite. Non, je pense qu'on va plutôt faire du commercial. Et la zone de bureau, on va la mettre plus loin. On va mettre un petit peu plus loin la zone de bureau. Donc voilà, c'est dézoné. Alors, qu'est-ce qu'on a? Zone commerciale à forte densité. Ouais, ce serait parfait, ça. Ça serait plutôt pas mal. Tiens, qu'est-ce qui est plus rapide pour zoner? Non, plutôt prendre le brush. Voilà. Alors, faible forte densité, je veux dire. Tout ça ici. Par contre, là, non, très mauvaise idée. Clic droit pour supprimer. Voilà. On va éviter les ennuis. Ici, d'accord, mais tout ça, non. Histoire de ne pas avoir de problème. Ça serait préférable. Est-ce qu'on en met le long de la route? Ici, non. On va juste mettre là. Tac. Comme ça, on est plutôt pas mal. Là, c'est vraiment la zone à forte densité. Elle est pas très grande, mais bon. Vu que c'est à forte densité, ils se tasseront dedans. Ils font ce qu'il faut. Ça va faire du bruit, ça va déranger ceux qui sont là, mais c'est pas grave. On verra par la suite si jamais on fait quelque chose d'autre.
pire, on pourra toujours mettre une zone entre ou enlever cette zone, on verra bien ce qu'on fait. Niveau électricité, bah, c'est chaud, il y a absolument que dalle forcément. Comment on pourrait tirer ça? Il faudrait limite tirer un câble. Pff, ouais, c'est chaud. C'est chaud, on casse un peu, on fait un peu le bordel là. Et là forcément ça ne passe pas. Du coup comment on va pouvoir faire? Non, je peux pas le monter. Est-ce qu'il y a moyen de le passer dessous? Non, a priori non, du coup il faudra vraiment passer par là. Ce qui ne m'arrange pas dans l'absolu, mais bon, on fera avec. On peut toujours passer comme ça. Non, il veut pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu veux bien passer ici? Tac, tac, voilà. Quand même. On relie ça. Et comme ça, toute cette zone aura un peu d'électricité. Du moins, ce qu'on peut lui offrir. Vas-y, tu peux passer. T'es le meilleur. On croit en toi. Tac. On va le tirer jusqu'ici. Comme ça, toute la zone alimentée. Voilà, on est plutôt bien. Par contre, ça, effectivement, il faudrait le relier. Autrement, ça pose des problèmes. Tac, ici. Est-ce que t'arrives? Tu peux le faire. Crois en toi, voilà. Comme ça, c'est relié. Forcément, il faut de l'eau. Et l'épisode commence à être très très long, donc je vais me dépêcher. Ce qu'on va faire, écoutez, on va regarder ça pour le prochain épisode. On terminera notre beau quartier. Autrement, ça va être un petit peu trop long. Ouais, il est quand même sympa avec toutes les petites rues, avec les arbres. J'aime bien. Ça a plutôt de la gueule. Par contre, c'est plein de carrefours, ce qui risque de poser problème, on verra bien. C'est plutôt cette zone-là qui me fait peur. Vu que c'est de la forte densité commerciale, ça risque d'amener beaucoup de camions. On verra si c'est une bonne chose. Au pire, on pourra toujours changer. C'est vraiment les feux, ouais, c'est ça le problème. Mais bon, on verra bien. Pour le moment, il n'y a personne. Ce n'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!